prison. Les amis, on va pouvoir passer à la suite de l'émission avec Game Center. C'est parti, jingle. Les amis, le Game Center, c'est la nouvelle partie de l'émission de cette saison 2. La partie un peu jeu, tranquillement, on avait bien rigolé la semaine dernière. Et je pense que cette semaine, on va aussi beaucoup rigoler parce que cette semaine, on va jouer un jeu qui s'appelle L'Imposteur. L'Imposteur, qu'est-ce que c'est? On a choisi, ou du moins la régie a choisi plusieurs seiyuu, voilà, des doubleurs, des comédiens de doublage qui font plusieurs personnages d'animés qu'on connaît très certainement. Et du coup, on va nous montrer, du coup, je crois, une dizaine de seiyuu avec 5 ou 6 personnages qu'ils ont doublés. Parmi ces 5-6 personnages, il y a un qui est faux. Il y a un personnage qu'ils n'ont pas doublé. Voilà, tout simplement. Donc même dans le chat, vous allez pouvoir jouer avec nous, n'hésitez pas. Il y aura un imposteur parmi les 5-6 personnages du seiyuu. Il y en aura un qui l'a jamais doublé. Et du coup, comment ça va se passer? C'est que je vais... Enfin, par exemple, on va être dans, je pense, dans l'essence de l'aiguille d'une montre. Par exemple, je vais commencer. Par exemple, il y a un seiyuu qui va s'afficher. Je vais dire, par exemple, je crois qu'il n'a pas fait tel personnage. Si j'ai faux, bah... C'est Xavier qui va continuer sur ce même seiyuu que je sais que du coup, toi, tu sais que c'est pas celui-là, okay, donc t'auras une chance en plus, on va dire, que je n'ai pas. Oui, c'est ce que j'ai. On va découper le chat. Ouais. Le chat, ils peuvent jouer, comme ça, pas. Voilà, ils peuvent jouer avec nous. Ils peuvent jouer avec nous, voilà, on n'aura pas le chat en retour. Est-ce qu'il y a une chose que j'ai oublié peut-être? Je trouve. C'est un point pour toi, du coup. Et c'est Kai qui commence. Kai qui continue avec un autre seiyuu, du coup. Et ça va enchaîner comme ça, c'est-à-dire que peut-être que. Si par exemple le premier on fail, je fail, tu fail et tout, Dorian aura plus de chance de finir. Il aura un point gratuit à un moment, tu vois, quoi qu'il arrive. Je pense qu'on est bon, en vrai. Allons-y. Je m'enlève pour être sûr. Voilà, je pose pas de triche. Il n'y a pas de triche, les amis. Les amis, on va du coup, on va pouvoir commencer tranquillement. Et je vais commencer du coup, vu que je suis là, comme ça on va faire dans le sens de l'aiguille d'une montre. Avec le premier seiyuu, je sais pas si on peut nous l'afficher. Ah, alors, Masako Nozawa, j'ai envie de dire. Alors, on peut l'avoir ouais, mais bon. Alors, bon. Je sais déjà qu'elle a fait tel ou tel personnage. Alors, il me semble. Alors, pour Goten. Mais en vrai, c'est si je parle. C'est ça. Je dis aux autres ce que je pense. Après, en vrai, c'est pas évident. Alors, c'est sûr qu'elle a fait Goten, c'est sûr qu'elle a fait Tom Sawyer, déjà. C'est pour moi. Elle a. Gotenks, je crois, aussi dans la VO. Et là, j'ai un doute. Moi, je sais. J'ai un doute. Je sais. Et je crois savoir aussi. Je crois que c'est Trunks. Il me semble. Alors, attends, je réfléchis. C'est soit Trunks, soit le docteur. J'ai oublié le docteur dans. Courier. Alors, je sais plus si c'est. Si Masako Nozawa fait le docteur Courier. Est-ce qu'elle fait Trunks? Mais c'est ça la question que je viens de me poser. Non, elle fait pas Trunks pour moi. Elle fait pas Trunks, donc c'est Trunks pour moi. Qu'elle a pas doublé. C'est bon? Ouais, je vais pas dire de bêtises, c'est Dragon Ball. Je voulais être sûr et réfléchir, mais c'est bien Trunks. Du coup, ben, un point pour moi. Si on peut noter en régie, comme ça on se trompe pas. Tu facilites pas la tâche. Du coup, j'arrive tour 1 sur un truc. Bon, j'avoue, j'ai eu de la chance sur ce coup-là. C'est une des plus grandes seiyuu de l'histoire. On peut enchaîner du coup avec. Ça commence doucement. Ouais, ça commence tranquillement. On va pouvoir enchaîner avec. J'espère qu'elle va se prendre un truc méga. Je prends un truc des enfers. Je suis particulièrement nul sur ce truc-là. Ah, moi aussi, je suis pas très très fort. Hein. J'avoue, c'est. Moi, j'ai lu un peu t'as menteur, toi. Moi, les deux là-bas, là. Moi, je galère sur les seiyuu de petites filles, genre, comme ça. Ok. Bon, en tout cas, il y a une dizaine de seiyuu. Donc, n'hésitez pas, les amis. Ça vous arrivera pas. Allez. Alors, est-ce que je peux la. Alors, Okamoto Nobuhiko. Avec 6 personnages, du coup, il y a du Bakuman, il y a du My Hero, il y a du Tokyo Revengers. Alors, on l'a plus à l'écran. Ah, nickel, merci. Voilà. Alors, il y a Draken, il y a Karma, c'est qui en haut à droite? C'est Blue Exorcist, le héros, je crois. Rin. D'accord, ok. En bas, c'est le mec d'Assassination Classroom, dans les personnages. Karma. Ça, c'est Karma. Revengers, My Hero. Alors, est-ce que déjà, voilà, essaye un petit peu de structurer ta pensée. Même si du coup ça peut donner. Alors, je sais que le doubleur de Bakugo fait beaucoup de rôles. Ouais. C'est un seiyuu qu'on voit très souvent. Ouais. Et je crois que c'est lui. J'ai un moins que. En vrai, parce que. Il y en a aucun où je me dis, ça c'est. Est-ce que c'est pas ça le piège? Est-ce que. Vas-y.
On y va. Allez, on tente. À l'aveugle. Sûrement une grosse. C'est Bakugo. Non, bon. Non, c'est pas Bakugo. Akamoto, bon, Nobuko a bien. Non, mais soyez pas. Ah. Non, mais c'est pas bon, je l'avais dit avant. Je savais déjà que c'était des Draken. Je savais déjà que c'était des Draken. T'es sûr, hein? Sur un certain. Est-ce qu'on lui fait confiance? Mais. Il a dit. Moi, je savais. Bon, alors, on va dire qu'il a, on va dire qu'il l'avait. Mais attention, en régie, ne spoil pas. J'essaie d'être entre. Bah vas-y, on, suivant, du coup, un point Dorian, pour Kai. Du coup, on va passer à Dorian, qui va jouer avec le suivant. Mais c'est pas facile, en vrai, je te pardonne, parce qu'en vrai, c'est pas si facile. En fait, le truc, c'est que c'est pas tout d'associer les personnages entre eux, c'est qu'il faut s'assurer que c'est le bon seiyuu. Ouais, d'accord, moi, je vois ce que tu as. Moi, je me disais, ok, peut-être Bakugo, machin, c'est le même. Mais fallait plus réfléchir en mode, même si je connais pas forcément le seiyuu, est-ce que ces personnages-là, ils ont à peu près la même voix, tu vois? Bah, je pensais que c'était un piège. On a Daisuke, Ono. Très facile. Très facile. Mais en fait, en haut à droite, c'est pas un personnage de Maggie. Si, c'est Sinbad. Sinbad. Ok. Sinbad de Maggie, on a Aizen, on a. En bas à droite, par contre, je connais pas. En bas à droite, Midorima. Kuroko no Basket, Midorima. Pas de conneries. Kuroko no Basket, Midorima. Et Jotaro, évidemment. Donc déjà, oui, Erwin, Jotaro, aucun doute là-dessus. Ok. Bleach, Il a fait Aizen. Est-ce qu'il a fait Aizen? Ah non. De rien. Je ne sais pas. Tiens, parce qu'il faut que je me rappelle de sa voix. Parce que j'ai pas vu Bleach, mais j'ai déjà entendu sa voix. Ouais. C'est, en fait, c'est ça le plus dur, c'est de se représenter. Est-ce que pour toi, du coup, Aizen a la même voix que Erwin, que Jotaro? C'est ça qu'il faut, essayer ouais, c'est ça, c'est que j'essaie de savoir de que la voix de Jotaro, il a fait beaucoup de voix de personnages de shoujo, etc. Et il chante très bien. Il chante très bien et là, il a changé de voix, je trouve. Et il a fait une musique avec une voix très douce une fois, donc faites attention. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors. Ok, parce que. Ah, ça y est, tu m'as mis le doute sur ce que je me disais. Ok, je vois, pense pas. Bon, écoute, je vais dire le protan Maggie. Sinbad? Non. Ah, c'est pas Sinbad. Il l'a fait, Sinbad. Ah ouais, il l'a fait, ouais. Mais c'est pas lui l'imposteur, ok. Ok, donc c'est à moi, là, du coup. Alors, tu me mets le doute aussi, parce que du coup, je pensais que c'était potentiellement Sinbad, tu vois. Mais vu que je sais que c'est pas Sinbad. T'as une chance sur deux, là, j'en ai C'est soit Midorima, soit Aizen. Ça, c'est sûr pour moi. Il y a une de ok, c'est sûr. Est-ce que la voix d'Aizen est la même voix que celle. Attends, je réfléchis. Mais en vrai, je pense que c'est Aizen. Saizen, let's go! En vrai, je ça me semblait évident. En vrai, que Aizen, pour moi, c'est pas la même. Maintenant, j'ai jamais entendu la voix du perso de Maggie, donc maintenant, j'essaie de l'entendre avec la voix d'Erwin ou de Jotaro, et je trouve ça trop bien. Ouais, justement, mais vraiment la scène de Aizen, là, quand il se révèle, tu sais, quand il a lu ses yeux, en fait, pour moi, c'est pas la voix de Jotaro ou de Erwin, tu vois. Donc voilà. Il fait ça deux fois pour moi. Le doubleur d'Aizen, je sais plus qui c'est. C'est pas, il fait pas je vais le plus dur. Je sais pas. Bon, en tout cas, ça fait 2 points pour moi, 1 point pour Kai pour l'instant. 0 pour les deux. Donc là, ça va être à Xela de jouer. Je me suis pris le plus dur pour moi personnellement. Ça va en vrai, ça va. J'avais les 3 avant en fait. Alors, Miyano Mamoru. Il y a du Pokémon. Tu es qui? Il y a du Pokémon, okay, ouais, il y a du Light, Light, du Sasuke. Facile. Aïe aïe aïe, si Xela cloque, c'est Kai qui prend le point. Vu qu'apparemment, Kai a l'air sûr de lui. C'est qui dans Fire Force en bas là? Shimon, c'est le numéro, le roi du manga. Alors, est-ce que tu penses que, fait par rapport à des personnes que tu connais potentiellement, alors on a un gros problème. Okay. Death Note, je l'ai regardé en VF. Aïe. Sasuke, tu l'as en VF. Sasuke, j'ai à peu près le truc. Okay. L'autre personnage de l'IQ, je me rappelle pas de sa voix. J'ai pas regardé Pokémon Noir et Blanc. Donc, faut tenter. C'est pas facile. Moi, j'ai déjà vu des écrans. En vrai, tente comme ça. C'est pas facile, mais. Est-ce que tu penses que Sasuke et Light, ils ont la même voix? Même si t'as jamais vu. Tu essaies de me troubler, toi, tu vois. Je te demande. En vrai, c'est intéressant. Non, bah. Potentiellement. Mais si t'as pas vu Death Note en VO. En fait, j'ai vu des extraits de Death Note en VO quand même, tu vois. Genre, okay. Je connais un peu la voix de Light. Okay. Je vois un peu le délire. Et je sais pas. Bon, je pense que c'est Sasuke. Il l'a, j'ai un peu aidé, hein, j'avoue. Non, parce que, en fait, je me disais, je voyais la voix de Light, je voyais un peu la voix de, en fait, du mec de IQ, j'avais un peu un souvenir du truc. Je me disais, ok, il peut avoir la même voix que Light, ouais, mais pas la même voix que Sasuke. Il y a, en fait, c'était soit l'un, soit l'autre. Ok. Du coup, je sais pas, Sasuke, je le sentais pas.
tu le sentais pas, et tu sentais bon pour le coup, parce que ce n'était pas Sasuke. Un point, yes. Un point pour Xela, un point pour Kai, deux pour moi, et zéro pour Dorian, qui je rappelle m'a fait perdre le jeu de la semaine. C'est pour ça que j'ai choisi un jeu pas en équipe cette fois-ci. Non, je plaisante, ça va être à Kai, qui va peut-être one shot sur ce coup-là. Ouais. Kai, qui, je vous rappelle, est notre expert c'est you, hein, c'est de Team Manga. Alors, oh, Otani Ikue. Ok. Ouh là là, ça joue sur les personnages un peu kawaii, Pikachu, Iggy, Konohamaru, Chopper. Alors, c'est dur. Là j'ai un doute, parce que je vous l'avais dit, les voix de petites filles et comme ça, je galère. Mais j'ai un doute entre... Il n'y a pas que des petites filles là. Il n'y a même aucune fille. Non mais la voix très aiguë. La voix très aiguë. Du coup en fait, j'ai un doute entre la meuf de Hunter x Hunter et Iggy. Du coup. Alors attends, faut que tu répondes. Ouais, non mais justement, je te dis que j'ai un doute. Ouais, ouais, vas-y, réfléchis bien. Développe un peu ta pensée. Parce sur quoi tu te bases? Tu réfléchis, tu hésites entre deux chiens. Parce que. Parce qu'il me semble que Iggy a la voix de celle qui fait la voix de Killua. Voilà. Ah ah. Ah ah. Et donc, quelle est ta réponse finale? Soit l'un, soit l'autre. C'est marrant. Tic-tac. 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 C'est Iggy, non? Iggy? C'est Iggy, il l'a. Bravo. En vrai, je trouve Iggy, il dénote les autres personnes. Ouais, en fait, beaucoup plus grave. Même si après, elle est... c'est le genre de Seiyuu qui est quand même capable de très bien moduler sa voix. Oui, c'est très, clair. Très grande dame. Mais c'est bon, je savais pas qu'elle faisait Pikachu et la meuf de Hunter, du coup. En fait, il y a des trucs que tu n'y penses pas forcément. Et en vrai, putain, intéressant. Ça me fait bizarre, chaque fois que je la vois sur un personnage normal. N'hésitez pas, hein. Ouais, c'est Pikachu. Ouais, c'est... Ouais, ça. N'hésitez pas, les amis, à jouer dans le chat. On n'a pas le retour, donc je ne vois rien, on ne voit rien. Mais n'hésitez pas à jouer entre vous, voilà. C'est un petit jeu entre vous, le premier qui répond. Il y en a qui trouvent, je pense, très très vite, hein. Il y en a qui sont très forts dans le chat. Hein. On va pouvoir du coup enchaîner avec le suivant, et ça va être du coup à Dorian. Alors, j'ai peut-être le point. Est-ce que Dorian va voler ce point? Donc là, peut-être t'as deux points. Hein. Ouais, deux. Donc 2-2, non, 2-2, oui, et 1. C'est ça. 2-1-2-0. 2-1-2. 2-1-2-0. 1 avec Enoki Junior. Aïe, 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 aïe. Ça va être dur, là. Waouh. Il y a du Rainer. Il y a Cosmo de Kengan Ashura. Il y a Adam. Il y a Fuga. Ah, je l'ai. Il y a du Itadori. Je l'ai. C'est la bagarre, là, le personnage. J'avoue que c'est dur, là. Moi, je l'ai pas. Attends. Je l'ai. Autant me représenter. Mais j'ai... On vole le point à Kaya. En fait, attends. On a trois chances avant que Kaya arrive. Sacrifie ton argent. En fait, il y en a un. C'est la clé. Il faut juste que je me souvienne de la voix de Fugo. Fugo, je crois. Jojo. Faut juste que je me rappelle. En fait, on a vu qu'il part très vite. J'ai vu tous les animés. Je suis dangereux. Est-ce que. Attends, je réfléchis. Je pense que je l'ai. Il faut savoir que non. C'est un Seiyuu. En vrai, moi, il y a un qui va pas. C'est un Seiyuu qui a pas fait beaucoup de voix parce qu'il est relativement jeune. Voilà. C'est... Il a pas fait beaucoup de voix. Il vient de commencer, entre guillemets. J'ai bien la voix d'Itadori en tête. Mais. J'ai bien la voix de Rainer aussi en tête. Bah, la voix de Rainer, la voix d'Itadori. Ouais, j'ai pas vu Valkyrie Apocalypse, mais je... C'est qui en bas au milieu là? C'est Cosmo de Kengan Ashura. Ok. Merde, j'ai pas vu. On sait pas savoir. En fait, dès que j'ai pas un, bah, c'est dur, comme son appareil, ça... Allez Dorian, tu vas devoir répondre. Rainer. Oui, c'est lui. Il a fait Rainer. Du coup, c'est pas Rainer. Du coup, je pense savoir qui c'est. Ou alors, logiquement, pour moi, Itadori et Rainer, c'est pas la même voix dans ma tête. Oui, même pas du tout. Donc, même en modulant. Si c'est Rainer, par déduction. Alors attends, si c'est Rainer, Fugo, est-ce que Fugo aurait la même voix que Rainer potentiellement? C'est Jack, par contre, ça paraît bizarre, parce que Jack, c'est un perso un peu. C'est vraiment Fugo, quoi, là. Il y a un truc qui va pas. Alors, soit il est trop fort, il a fait Itadori et Rainer, et les voix, ça n'a rien à voir pour moi, parce que dans mes souvenirs, c'est pas la même voix du tout. Même Jack, enfin je sais pas. Mais Jack, ça me paraît pas aussi. Alors tu vois, Itadori et Jack, ils pourraient avoir la même voix, tu vois, potentiellement. Oh, c'est dur. Oh. Ah, c'est dur, là. Kengan Ashura, je le connais pas, malheureusement. Et même Adam, je l'ai pas vu l'animé, donc de Valkyrie Apocalypse. Mais pour moi, ils peuvent avoir potentiellement la même voix. Je vais donc répondre.
Allez, je vais donc répondre Itadori. Hein, mais, Alors, il a fait Itadori, mais il y a une erreur. Donc, ah, il y a une erreur apparemment. Ah, il s'est trompé. Il n'a pas fait Reiner. Ah, et voilà, c'est juste ah. C'était pas Reiner. Et il n'a pas fait Adam. Il n'a pas fait Adam. Ah putain. Ah, bon. Voilà. Bon, on annule ce point alors, du coup. On annule. Oh, en fait, je l'avais. Moi je l'avais. Moi j'ai répondu juste. Ou alors, en vrai, franchement, ils n'auraient même pas dû dire qu'il y avait une erreur. Et en vrai, si quelqu'un avait trouvé. Ah, même parce qu'ils ont dit Reiner, c'était posé. Ouais, ça. Bon, on annule le point, on recommence. Non, on recommence. Du coup, on recommence sur Dorian. On recommence sur Dorian, t'as raison. Ouais. Allez, on recommence sur Dorian. On va dire que ce point ne comptait pas. En fait, moi, pour les différencier. T'es sûr, c'était pareil. Pour les différencier, je pense vraiment au moment où ils poussent leur voix. Parce que quand ils poussent leur voix, c'est là très souvent. Moi, du coup, vu que c'était pas Reiner, ça m'a biaisé. Parce que moi, dans ma tête, c'était pas Reiner sur mon note de base. En fait, moi, j'entends Itadori gueuler et Reiner gueuler. Je suis en mode, c'est pas du tout le même timbre de voix, même en mode. Et c'est ce que je disais, en fait, quand c'était ton tour, vous allez mon frère en mode. Nakamura, Yuichi. Ah, il y a du N dans Pokémon. Il y a du. Tu l'as pas, frère, c'est bon. Me dis pas ici, ça m'a appris. C'est des AQ, il y a du Bucciarati, il y a du Sonic. Oh, N, je voudrais pas du tout savoir. Il est bizarre, le dessin. Easy, vrai, easy. C'est pas un info de jeu. C'est pas parce qu'il a dit. Je sais pas, bref, allez. Est-ce que Senku a la même voix que Bucciarati? Est-ce qu'il a la même voix que Sonic? C'est la voix de N dans quoi? Dans Generation. Non, mais. En fait, je crois savoir, mais j'ai peur qu'il y ait un piège. Alors attends. Bon, on réfléchit bien. Ouais. T'as quelques secondes non plus, quand même, faut pas non plus déconner. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. 10, 9, 7, 6, 6. Je crois qu'à l'imposteur. Il y a deux erreurs. Hein. Il y a deux erreurs. Oh non. Si. Alors attends. Il y en a deux. Mais est-ce que c'est ça? Ah non. Dis quoi? S'il y a deux erreurs. Déjà pour revenir au truc d'avant. Qui a fait ça? Inoki, il a fait la voix de Reiner, mais jeune. C'est pour ça qu'il y a eu la. Ah ok. Reiner, jeune. Ok. Là, il y a deux erreurs. Oui. Alors vérifie en régie. T'es sûr de toi? Sûr. Bon, vérifie en régie. Et s'il y a vraiment deux erreurs, on joue avec. Deux points. On joue avec un point. Un point si t'as les deux. Il y a deux personnages qui n'ont pas la même voix. Non, on fait ça. Lui, il a vraiment. Mais moi, on va faire du pif. Moi, je l'aurai vraiment beaucoup. Il mérite plus que nous, en vrai. Mais on nous laisse quand même une chance avec le hasard. On se laisse quand même une chance. On va laisser pour l'instant. Mais là, à première vue, tu penserais à qui Moi, j'ai dit Senku. Je pense que ce serait pas Senku, du coup. Ben, Senku, l'imposteur. Alors, on va réfléchir s'il y a. Il y a trois personnages qui ont la même voix et il y en a deux qui ont pas la même voix. Non, mais toi, par contre, il va falloir qu'on en parle. Il était là au début, je connais vite fait. Mais... Et là, il fait quoi? Alors, non, lui, c'est lui. Mais non, on rappelle que c'est notre expert, c'est Yu. C'est pas Senku. Alors, c'est du coup, c'est pas Senku. Enfin, c'est pas Senku, c'est Senku l'imposteur ou. Et je peux même te dire. Hein? Le deuxième personnage, quelle autre voix il a fait? Oh, non, mais ça, il a fait la voix de. Non, si je dis, ça va spoil. À part s'ils s'en souviennent. Donc il y a bien un deuxième personnage. Il y a un deuxième personnage qui n'a pas. Qui a pas la voix de trois personnages. Pour avoir le point complet. Non, tu dois. Pour un point bonus. Allez, vas-y, celui-là. La remontada. Il y en a deux. Il y a deux erreurs. Ok. Donc, ça fait 3 mois depuis. On va dire que t'as fait le premier point. Si moi j'arrive à avoir le deuxième, j'ai un point. Bah si, c'est ce que t'as dit que non. Ça. Non mais c'est nul en vrai. Le problème c'est que. Oui, non mais. Dans tous les cas, c'est biaisé. Alors attends, je vais réfléchir. Pour moi. Grey. Attends. Pour moi. Attends, Senku. Du coup, c'est pas la voix de Senku. Ok. Qui a fait la voix Grey, Bucciarati, N, Sonic. Alors Sonic il crie beaucoup. Hein. Sonic il crie beaucoup. Est-ce que ce serait la même voix que les autres? N, je l'ai jamais entendu en animé. Grey en VO, j'arrive pas à l'avoir en tête, le Grey. Mais Bucciarati, je l'ai bien. Mais pour moi, Bucciarati et Grey peuvent potentiellement avoir le même CU. Et N aussi. Mais Sonic, il crie beaucoup, donc je veux dire Sonic. De One Punch Man. Voilà, Sonic. Let's go. Ça, c'est par pure déduction. C'est Sonic. Sonic a fait la voix de Shoto, de Meliodas et de Eren. Je prends un point pour le Sonic. Let's go, les amis. Mais quelle arnaque. En vrai, c'est pas ça. Oui. On va pouvoir enchaîner. Quoi? Tu as un demi. Non, non, un point. Comment c'est pas un truc? J'ai trouvé un truc. Voilà. En fait, je ne savais pas. Hein. C'est par pure déduction. J'imagine Sonic, je l'entends. Il crie beaucoup. Il est pas comme tu vois, les autres. Par contre, dans One Punch Man, il a fait Roulette Rider. Oh, le meilleur personnage. Oui. On est d'accord. On est d'accord. Bon, ça, tu sais. Un point entier. Allez. On est à combien de points? Est-ce qu'on a récupéré 3, 1, 2, 1.
Ok, 1, 2, 1, c'est serré. Le suivant, ça va être... Ben... Ah oh. Suda Kenjiro. Zella. Réfléchis bien, on a du Gangsta, j'ai oublié le nom du héros. Déjà, on a, on a un premier deux, problème. J'ai dit entre deux, j'ai pas vu. T'as jamais vu Gangsta. J'ai pas vu Gangsta. Ok. J'ai pas vu... C'est Fire Force. C'est Fire Force, ouais. J'ai pas vu Fire Force. Je me suis endormi. J'ai pas vu Mayoro. J'ai pas vu Memphis. Ah. Il s'appelle... C'est Niji, imagine. Ouais, j'ai plus ça, des frères de Sanji. Toutefois. Toi, tu vas savoir plus. Réfléchis par rapport au cardinal. Peut-être que ça peut t'aider. Est-ce que tu penses qu'il a, il aurait la même voix qu'un tel? Enfin, moi, je pense que là, tu peux réfléchir. Il y a des choses qui peuvent être logiques. Oui, il y a quelque chose à faire. Jouez dans le chat, hein, n'hésitez pas. Je pense que dans le chat, ils l'ont déjà. Potentiellement. Ils ont tout le temps tout. Quoi. Alors. Ils sont trop forts. J'hésite entre deux trucs. Allez, dis-nous. J'hésite entre Overhaul et. Comment il s'appelle Nicolas. Non, Galta. Niji machin. Non, le mec de Jujutsu. Ah, Nanami Kendo. Nanami. Voilà. Il pourrait faire les mêmes voix. En vrai, ça pourrait être la même personne. Toutefois, pour l'imposteur, ils auraient pas, ils seraient pas allés chercher un personnage de Gangsta. Ils seraient pas allés chercher un personnage un peu random de Pure Force, ni un des frères. Non. Personne n'a réussi à faire une liste correcte. Donc. Tu l'as calé ou pas? Juste pour savoir. Je l'ai. Oh le salaud. Prends le point. Prends le point. Je pense l'avoir aussi. Coalition. Non, j'arrête. C'était pas Overhaul. Oui, il fait Overhaul. Il fait Overhaul et du coup, c'est Niji. Ouais. Qui? Oh là là, mais il est fort, Kai. Il fait la voix de Yonji. Oh, mais tout. Ah, le salaud. Oh le salaud. C'est genre, tu savais ça qu'il faisait de la voix de Yonji? Oui. Ça se voyait en fait. Il faut que je batte Kai. En fait, moi, il y avait juste. En haut à gauche, c'était. Personnage de quoi? De qui? De Gangsta, pardon. Et en fait, je me disais, je vois son timbre de voix, c'est le timbre de voix blasé. Et je me disais, juste au chara-design, je connaissais 3 sur 5. Et je me disais, bon bah, c'est celui de bonne vie du coup. Oui, il y avait combien de. Le coin avec les cheveux bleus, il est. Oh. Bah, ça fait. Alors, ça fait 3, 1, 3, 3, 1, 1. Il reste combien de séoups? En vrai, on peut faire un. Si c'est. Donc, t'en enlèves 1. Il reste 3 CU, donc on peut continuer comme ça. On peut changer de place avec Kai. Sinon on finit en 1-1. Pour le dernier, sinon il reste 1. Et qu'on est toujours à 3-3. Il en reste 2. Ok, il en reste 2. Il en reste 2. Alors attends, je réfléchis. Mais attends, si... Imagine qu'il y en a un qui a 2. Ah. Il peut prendre le... Bon, vas-y. Oh, putain. C'est moi, je me serais tiré une balle. C'est moi, je me serais tiré une balle. Parce que là, je ne sais pas. À chaque fois. Ouh, il y a du Alphonse. Alors, ah si, je le sais en fait. Non. Kugimiya Rie. Elle a fait la voix de Kagura. Voilà. Bah. C'est dur. Hein. Kagura dans Midama. Toradora. Retail, Persona. C'est qui, droit, ça c'est un truc, par exemple, je pense au train à fond, c'est horrible parce que. Parce qu'il y a cet effet justement dans sa voix, ouais, constamment. Effet, ouais. Et comme elle essaye en plus de jouer un garçon, c'est. Il y en a. L'imposteur. Pose. Il y a une erreur. Non. En bas à gauche, ouais. La mauvaise image. Ouais. C'est pas ce perso de Fire Force que j'avais mis, c'était Aomea. La fille qui a le. Ouais, ok. Okay. Okay. Mais, qui a le quoi? Qui a le truc sur le visage. Enfin, qui vont. Bah, il répondait pas. Ah, je prends. Bah, en tout cas, un des personnages. Tic-tac, allez. Un des personnages. Vas-y. Un des personnages a fait la voix de. Tu bon, Tsuyu. Voilà. En retard. C'est tout ce que j'allais dire. Parce que le commence. Ok. Je pense que poster c'est Alphonse. Non. Elle a fait Alphonse. Ok. Là c'est le moment mastermind, les amis. C'est trop dur. C'est le moment mastermind, puis j'en sais rien. Retiens bien cette tête, hein, le de personnage. Je sais pas si t'as vu Fire Force, mais. J'ai pas vu Fire Force. Le personnage, c'est important en vrai. Ouais. Enfin, de. Comment enfin, ce personnage. C'est pas important, tu sais pourquoi? Parce qu'elle l'a fait ce personnage. Tu sais pourquoi? Parce que le mec qui a fait le quiz là-bas, c'est un bandeur de Persona. Qu'est-ce que foutrait Persona là? Attends, je réfléchis. Est-ce que tu penses qu'il serait allé chercher? C'est pas l'animé Persona. Oui, totalement. Donc c'est pas le jeu. Ah ah. Est-ce qu'il serait allé chercher un personnage de Persona parce que le truc, ou est-ce qu'il aurait vu Persona juste pour le Persona parce que c'est son kiff? C'est ça. Est-ce qu'il a pas vu? Il a pas vrai, vu la liste. Il y a un double brain. Là, il peut me brain. Est-ce que tu veux que je te dise un truc? Ouais, dis-moi. Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Il me met la pression. Alors, Alphonse, il l'a fait. Pour moi,
je pense que Asimine ne m'a pas déçu. Asimine ne me déçoit jamais. Parce que s'il a mis Persona, c'est parce qu'il voulait mettre Persona. Et parce qu'elle n'a pas doublé le personnage de Persona. Oh non. J'ai menti. Elle n'a pas fait Taiga. Taiga. C'est qui? Dora Dora. Bon. Non, mais tu donnes le point à K, tu vas gagner. Proche. Une chance sur deux. Il a une chance sur deux. C'était sûr, c'est proche. C'était sûr. Tu sais pourquoi elle a pas sûr que c'est proche? Parce qu'elle a fait Happy. Oh, le salaud. Demande soin. Ok. Ok, ok. Fait... Du coup, Kyle va avoir le point, après il va gagner, j'ai le seum. Bon. Il y a 4. Il y a 1 cellule du coup, pour terminer. Donc, si Kyle là. Non, c'est à Dorian. Du coup. Non, non. Mais 3, 4. Alors, peut-être. Non, non. Fail, s'il te plaît. Il a 0, il a 1. 3, 1, 4, 1. T'as 1 ou 3. 4 d'eau. Tu la fermes. Allez, tu vas balance Dorian, tu le balances et tout est nul. Bon, vas-y, on va balancer ça dans quelques secondes. Dorian ne l'aura pas, je l'espère. Pour faire une égalité avec Kai, on fera un. Je sais pas ce qu'on fera pour délibérer, mais. Un pur cuisine. Ouf. Yamaguchi Kapei. Il y a du Usopp, il y a du Genta. Il y a du Kaido Kid. Il y a du L. Genta. Manta. Oh. Oh, c'est Sony. Quasiment des voix dont je vois, mais je m'en souviens plus trop. Moi aussi, là, c'est des personnages que... C'est dur. Oh, man, ça date. Je l'ai. Oh, non, attends, mais t'es... Ah non, ok. Il est pas très précis. Ouais, calme-toi. Non, non, je l'ai. Alors, elle, attends, putain, même elle, ça date quand même. Death Note, ça date. Bah, Xena, c'est KO, par exemple, pour imaginer la voix de elle. Surtout, je sens que c'est le genre de CEO qui module énormément sa voix. Je le sens. Ok, normalement. Réfléchis bien. Il modifie pas son nom. Dans ce cas-là, non, mais donc, je veux dire, il a un menu, il va. Hein? C'est un homme? Oui. Ah hein? Ah, ça change tout. Hein? Bah, tu... C'est un homme, tu t'as jamais entendu la voix d'où ça? Non, mais j'ai. Eh, ah, hey, c'est bon, laissez-moi. Déjà, il vient de. Imagine, t'as brillé. Et c'est vraiment. Il est vraiment le master mind. J'ai jamais entendu la voix d'où ça? Et là, c'est vraiment ça, le booster. Et il serait trop fort. Non, c'est vrai. Pour le coup, bah, il t'a un peu aidé, là, pour le coup. En fait, tu sais aussi, ça. J'ai pas vu l'anime One Piece, donc je me rappelle que de Breed, en fait, de sa voix. Donc c'est pour ça que c'est dur. Mais il vient te donner la réponse, là, donc tu sais que c'est pas ça. Vas-y, suis-moi. Je dirais. Allez, je vais tenter L. Il a fait L. J'ai les trucs les plus durs, c'est horrible. Alors. Là, il faut que je réfléchisse bien. Est-ce que je peux juste. Kai? Est-ce que tu l'as? Oui. Il a dit qu'il l'a. Donc en vrai, là, si je l'ai, il y a un rematch. Sinon, si je perds, ben, il a gagné. Quoi qu'il arrive. Mais il y a un autre point. Non, il aura gagné. Il a 4. Ouais. Et j'ai 3. Non, oui. Si tu l'as, il a gagné. Voilà. Donc commence à réfléchir à quelque chose si. Vous faites un Shifumi. Vas-y, si tu veux. Alors, pour moi, Usopp et. Menta? Moi, j'ai Genta dans mon. Manta. Pour moi, ils ont la même voix. Ça colle bien. Tu m'as enlevé elle, j'avais un petit doute, donc tant mieux. Ça joue entre Kaito Kid et Gluttony. Kaito Kid, on est d'accord, bah, il a toujours le même CEO, donc qu'il arrive soit dans sa série ou dans Conan. Pour moi, je pense que l'imposteur est Kaito Kid. Il a fait Kaito Kid. Non. Et c'est Kai qui l'emporte. Il a fait Conan aussi. Du coup. C'est ça, c'est le même CEO. Ah putain. Bon, bah tiens, SL. Bon, SL, propre beau jeu. L, Conan. L, Kaito. Usopp, machin. Ah bah c'est bon, en vrai, c'est. Il a pas fait Usopp. Totalement fait Usopp. T'es vrai, je pensais. C'est Gluttony. C'est Gluttony. C'est sûr et certain. C'était évident quand même. Mais je sais pas pourquoi t'as dit Kaito, toi. C'était évident que c'était Gluttony. En vrai. Bah tu veux dire, tu vas te raconter ça. Parce que c'est Gluttony, les gars. En fait, bref. J'ai fini qu'il y avait un monde où il nous avait. 8 heures de Kaizoku. Bravo à toi. Bravo. C'est injouable. Injouable pour toi. Je me disais pas c'était Gluttony. D'où vient l'erreur avec Senku? Parce que c'était pas censé être Senku, c'était censé être Tsukasa. Ok, bon, bref. Bravo à Kaizoku qui a gagné, du coup.
cette édition du Game Center. Deux fois de rang, du coup. Hein. Deux fois d'affilée, j'ai envie de dire. Donc bravo à lui, là, il est sur une bonne pente. Et la semaine prochaine, je viendrai pour te déloger. Ne t'inquiète pas. Ça va pas se passer comme ça.